C'est un rendez-vous qu'ils ont coché. Un match qu'ils ne veulent pas manquer. La seule différence, là, vous avez dit, parce que c'est mon ami. Moi, c'est pas un ami, c'est un grand ami. Laurent Blanc, Antoine Comboiré, une rivalité sur fond d'amitié. Deux personnalités du foot français, au style opposé. Mais c'est ce que je recherche un peu chez lui, ouais. C'est quelqu'un de sage, calme. C'est mon opposé, voilà. C'est peut-être ça, c'est les différences qui s'assemblent, souvent on dit. Hein. On a des sacrés caractères de cochon. Alors lui, il le démontre beaucoup plus que moi. De 2 ans son cadet, l'entraîneur lyonnais a eu l'occasion de se jauger au Nantais, d'abord crampon au pied. En fait, on s'est connus très tard, puisqu'on a joué l'un contre l'autre, se marquer de la tête. Et puis après, c'est des amis en commun qui nous ont rapprochés. Une tournée en Nouvelle-Calédonie, voilà. Il est venu avec son épouse et voilà, ils sont venus chez moi. Puis il a compris la culture, quoi. Il a compris d'où je venais. Diplômé la même année en tant qu'entraîneur, les deux hommes se sont retrouvés à 8 reprises sur un banc. Cela a souvent souri à Laurent Blanc. C'est toujours particulier, mais lui comme moi, on sait très bien que au coup d'envoi, il n'y a plus d'amis. On n'a qu'une envie, tous les deux, c'est de voir nos équipes respectives gagner. Donc on ne se fera pas de cadeau, jamais de la vie, jamais. Et c'est comme ça qu'on se respecte. Quel que soit le résultat, la poignée de main promet d'être plus chaleureuse que d'habitude.